Et bonsoir alors, salut streamer inconnu, ça va? Inconnu, inconnu. Ouais, je suis pas inconnu moi, je suis pas du tout connu. On veut un stream, 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 on veut un stream. Heureusement que ça peut se dire sans difficulté parce que sinon ça aurait pu donner on veut un string. Ça aurait été problématique, j'en ai pas à fournir. Ça va vous deux? Vous avez bien votre repas depuis tout à l'heure? Bon, je vous dis pas où on est toujours sur Disciple. J'ai regardé tout à l'heure avec quand je discutais avec Célinix, il y a 80 heures de jeu prévu. J'en suis à 56. Alors, est-ce qu'il compte le fait d'être un boulet ou pas? Je ne sais pas. Bon, les deux notifications, c'est quoi? Ah, c'est même pas moi. C'est un nul. Tu es un inconnu ou un inconnu? Je suis le dernier au fond à gauche. Pourquoi ça? Bah parce que j'avais envie. Voilà, j'ai regardé ça. Pourquoi on est là déjà? Ah oui! La quête de Sébastien! Je suis en train de me dire pourquoi on est là. Mais oui, c'est la quête de Sébastien! Non, casse-toi, tu pues! Oh, bon, d'accord. Et le chat qui se lèche parce qu'il fait sa toilette. Alors attendez, si je me mets là, j'ai qui? Techniquement j'ai lui, elle, lui, lui, lui. Je traque C'est ma proie. rentable. Est-ce que tu signes? Ouf, lui il a pris cher. Un petit fireball des familles. Une spécialité. Ah bah voilà, j'ai mes notifications à moi. Bon, du coup, je vous repose pas la question comment ça va, vu qu'on s'est vu tout à l'heure. Ouais, je sais, je suis salaud. Je devrais redemander, mais j'ai pas envie. Tiens, marrant. Maintenant, j'ai mes notifications qui apparaissent sur mon Discord, sur mon téléphone. Marrant, marrant. Est-ce que je fais ça? Bon, allez. Confronte ta mort. Allez, maximum de dégâts. Maximum dégâtus. Ça veut rien dire. Allez, un mort. Allez, deux morts. Les actes d'abord, les regrets plus tard. Allez, trois morts. C'est comme ça qu'on fait. Pourrais-tu juste mourir? Allez, quatre morts. Ah, j'ai commencé violemment. Ah, il m'en compte que deux de morts. Ah bah ouais, les golems ne vont pas là-dedans. Ouh. Je sais pas comment je suis placé, mais c'est pas très agréable. Si je me mets là, est-ce que je peux... Ouais, mais est-ce que c'est intéressant? Pas vraiment. On va se mettre là. Ah putain, je suis mal installé. Je sais pas pourquoi, mais je suis mal installé. Et résumé de lancement du live de ce soir. Qu'est-ce qu'il m'a envoyé? Ta fuck! Ouais, non, peut-être pas comme d'hab, j'en suis pas à ce point-là, ça va, je me souvenais à peu près. Et c'est vrai que je relancerai des jeux que j'ai pas joué depuis très très longtemps, ça ferait ça, hein. Ça ferait un ta fuck! Elle va se faire plaisir la frappe sacrée là, l'indépendance des. Non, il va te tuer lui, tu vas pas pouvoir le tuer. Bon bah tu vas pouvoir me tuer ça à la place. Oh le carnage. Oh ce carnage. En fait, Lucos, il y a un truc que je t'ai pas dit parce que je t'ai pas vu du week-end. J'ai regardé un film ce week-end, samedi. J'ai regardé un film d'horreur. Il s'appelait Dora l'exploratrice. J'ai vraiment perdu 1h40 de ma vie à regarder ça. Et il y a un pote qui m'a dit, hey, allez, on se le refait tous les deux. Je suis pas sûr, hein!
plus rentable en touche 2. Bonsoir, Alberic. Tu as pu voir un dragon cracher sur un autre dragon. Enfin, tu regardes pas, comme d'hab. Hein. Je vois bien le petit symbole qui dit que tu regardes pas. Comment ça va, sinon, Alberic? Non, mais il a osé survivre, le con. Oh, ils ont survécu. Il y a 3 unités qui ont survécu, c'est honteux. Allez, couchez, saloperie, ça t'apprendra à cracher sur ma gueule. Mourons ensemble. Je me nourris de ton agonie. Pourrais-tu décéder, s'il te plaît, à base de décédance, sale liche de... Je sens ta souffrance. C'est marrant, sur le l'écran de la fenêtre Twitch, c'est Ninix, t'as un pseudo en vert, et sur ma fenêtre, t'as le pseudo en rose. Voilà, moi je dis ça, je dis rien. C'est marrant. J'ai soif de bataille. Je vais m'amuser avec toi. Allez, lui il meurt. Il ouvre ou l'ouvre, ouvre. Ouais, voilà. Voilà, c'était ça que j'attendais. Il faut les péter maintenant, ces trucs. C'est bien pour taper sur les cailloux, les gros démons. Je suis sage. Je suis sage. J'ai pas fait des bêtises. Pas encore. En fait, Alberic, t'es encore en vacances ou c'est pas encore fini? Si tu avais une semaine ou plus de vacances. Il vous brûlera. Donne ta vie à Galéane. Fin de mes vacances dans 2 heures, d'accord. Nous sommes les vrais servants de Bethrezen. Je suis sa fureur. Ah, ça, t'en as bien profité, j'espère, de tes vacances. Sur un Discord que je suis, ça se bat à coups de notif serveur. Je traque ma proie. Ok. J'aime bien celui-ci. C'est hier, et il y a une amie qui m'a parlé qu'elle était sur un Discord juste pour s'amuser parce que elle veut voir les dramas qu'il y a sur le Discord. Et que le dernier drama, c'était par rapport aux notifications avec le Everyone. Confronte ta mort. Iliane pour toujours. Voilà, j'ai gagné là, il est pété le truc, il va pas survivre. Et déjà, il va me le tuer. Les choses qu'on fait par amour. Ben voilà. Et déjà, il m'a tout cassé. Et déjà, il m'a fait un ravage-moi tout là-dedans. Il considère que c'est quand même assez dangereux pour pas que je puisse gagner. Instant. Y'a que des zombies, mec. C'est la créature de base. Ils ont beau être nombreux, ça reste des zombies. Je traque ma proie. On va essayer d'en se mettant là.
petit poussé. Le but c'est d'en dégommer le plus possible en un tour. Hein. Trois déjà pour commencer en un tour. Même pas, deux. Dame. Honteux. Oh, je vais avoir du plaisir. Pourrais-tu juste mourir? Ah bah voilà, trois déjà. Ah putain, j'ai cru pendant un instant qu'ils n'allaient pas oser tous crever. Légionnaire, avancez. Je suis sa colère impie. Voilà, 4. Dans 3 toujours. Serviteur. Ah mais oui, parce qu'il compte pas dans les ressuscités, lui. Ah, je suis con. Confusion, je m'en fous. Attaque de zone. Voilà, et de 4. Allez, balance tête, t'as fait de la... Ouais. Vas-y, mon impôt de réponse day est même pas capable de tuer un putain de zombie. Attends, hop. Je me dépatouille dans mes câbles. Oui, vas-y, empoisonne-moi. Ah, j'ai que ça à foutre. J'ai que ça à craindre de toi. Avec un peu de chance, Edja, il va pouvoir en faire deux d'un coup. Allez, la dernière tourelle en mentue un. Alors, avec le cône, si je me mets là, je vais avoir la frappe, il y a moyen qu'elle prenne. Bon. Pas grave. On envoie Alberic faire le ménage. Marchez en paix. Il vous brûlera. Ah voilà, encore un de moins. Non mais tu vas rien faire. Vas-y, ils sont honteux, il me reste un millimètre de poil de... C'est honteux, j'ai même pas pu tous les tuer en un tour. Je suis déception. Allez, tu me le tues à la coup de divinité. Bah voilà. Pulsation du crépuscule, ça l'a calmé. Ah mais ils ont même pas osé fuir face à moi, quoi. Comment je dois prendre ça? Des vieux zombies puants du slip qui ne fuient pas devant moi. C'est honteux. Le Saint-Prieur. Et dis donc, lui, je l'avais pas crevé déjà une fois, le Saint-Prieur? Dans les entrailles du donjon du château de Hell, vous découvrez la dépouille traînante d'un ancien adversaire. Le Saint-Prieur. Presque. Bonjour, mon garçon. Tu te souviens? Honteux, le fais pas dire. La question est adressée à Sébastien, qui peine à comprendre. Je t'ai poussé sur la voie du questionnement spirituel. Quand tu es parti, j'ai tué ta mère et ton père. Le roi mercenaire. C'est impossible. Vous êtes mort. De la main du Saint-Prieur, qui plus est. C'est la Providence qui m'a envoyé piller ce château pour y découvrir cette vieille dépouille.
va comme un gant, non? Attends, c'est le roi mercenaire qui a pris l'apparence du Saint-Prieur, mais comment il a fait? Vous vous connaissez? J'étais le mentor du garçon avant de l'écarter. Il n'a pas eu beaucoup de chance avec ses mentors. Tu m'étonnes. Moi, par exemple. Une fois le garçon parti, j'ai tué ses parents et pris son trône. Tout en parlant, le roi mercenaire s'approche de Sébastien. Il a l'ADN et l'odeur du vieil homme de son vivant. Vous auriez pu prendre possession de n'importe quel corps, mais vous avez choisi celui-ci. Il m'a tué. J'ai pris possession de lui. C'est la vie. Enfin, la mort. Ouais, d'accord. À présent que j'entends ses pensées bruisser dans sa petite tête, je vois que vous avez été assez intime. Oh, la main du destin est cruelle. J'ai jamais été intime avec le Saint-Prieur. Le roi mercenaire se jette sur Sébastien et le mord profondément à la gorge. L'attaque est aussi soudaine que féroce. Sébastien recule, hébété. Le roi mercenaire. Ah, je suis obligé d'avoir Sébastien. Il fait des dégâts quand même, il est divin. Primitif, divin. Sauvegarder. J'ai encore de la puissance dispo. Merde, quel con. J'ai combien de puissance? 40. Est-ce que j'ai vraiment des trucs à foutre pour 40 points de puissance? Est-ce que j'ai un petit truc à 10 qui est pas très utile? Ben non, mais... Il est nommé, j'ai pas envie de le sacrifier. Mais il est nommé, j'ai pas envie de le sacrifier. C'est pas une petite merde là, non? Ah tant pis. J'ai pas beaucoup de corps à corps hein, dans cette compo. Mais on a Sébastien avec nous, donc on a rien à craindre. C'était tellement tentant. Confronte ta mort. Allez, on commence violemment. Petite divinité, petite pulsation. Mais faut pas que je le tue trop vite du coup là, le Saint-Prieur. Je peux récupérer une unité gratos. Les os sont faits pour être écrasés. Ne pas tuer le Saint-Prieur trop vite. J'exige que tu combattes. Parfait. Ralliez-vous. Attaque. Ah bah voilà, là c'est bien, là c'est beau. Nous sommes les vrais servants de Bethrezen. Nous je l'envoie pas au casse-pipe. Putain. Ça se voit que je veux courir et récupérer ces trucs là. Je suis ton serviteur. Voilà.
Comme ça, au passage avec l'autodestruction. Il avait pas disparu là, le mec? Parfait. On se souviendra de toi. Parfait! Je suis en train de lui défoncer son armée. Oui, bah t'es obligé de taper lui. M'en fous, tant mieux. Vous avez bloqué le golem à distance. Parfait, tant mieux. Bon bah, le dragon, il va juste te mettre des mandales. Il va tuer à petit à petit. Ces épreuves. Je suis éternel. Vous ne souillerez plus ces terres. Alors, j'ai largement assez de gars pour essayer de prendre les trois pôles. Oh bah oui, bon, je m'en fous. Ah, Sébastien, il a pris la claque, hein. Sébastien, il s'est pris une petite clacounette. Parfait. Est-ce que j'ai de quoi healer Sébastien, en dehors de la magie de ma meuf? Non. Manqué, ok. Manqué, ok, c'est parfait. Ah mais oui, ils sont sous l'effet de provocation, donc ils sont obligés d'aller l'attaquer lui en plus. C'est parfait, yes! C'est pas ce qu'il y a de mieux pour le soigner. Vague de soins, j'ai pas un truc comme ça, vague de soins là. Vanne guérisseuse. Voilà. Sans le flux de ma rage. Chose pathétique. La mort est proche. Mort. Et mort encore. Je suis pas le plus optimiste là, hein, pour ce combat-là. Parfait. Aveugle-moi cette daube. Le monde attend. Plus vite j'ai récupéré le truc, plus vite je peux mettre fin au combat. Je prie pour que le Père Tout-Puissant vous prenne. On va pas non plus abuser, hein. Ancien Dieu, éveillez-vous. Techniquement, c'est bon, j'ai la créature sourcil, donc j'ai pas besoin d'attendre plus. Coricidium Ancia. Dommage. Allez, Alberic, tu veux me servir? Oui, c'est un dragon, je l'appelle Alberic. Point. Tous mes dragons de mon armée seront des Alberic. Qu'est-ce que je récupère? Je récupère une vampire. D'accord. Grâce au gros cul de l'Alberic, j'ai récupéré un vampire.
Ça fait plus de versements de propriété intellectuelle à chaque citation. Alors, ton pseudo est Alberec 1900. Je ne dirai pas la suite, comme ça je ne dis pas le pseudo jusqu'au bout. Et donc, du coup, est-ce que c'est vraiment une propriété intellectuelle vu que je ne dis pas le pseudo jusqu'au bout? Ah ah! Puis m'énerve pas, sinon je dis que tu n'es plus un dragon mais un zombie. Oui, tu en utilises la majeure partie. Ça reste à prouver, Ancien non? dieu, guidez-moi. Mère de Mana. Ah ouais, là il a une belle alignement! Allez, c'était un bel alignement en effet. J'ai bien aligné les planètes. Bah du coup, tu vas plus devenir Alberic, tu vas juste devenir Al. Comme dans Al, marié et deux enfants. Cherche pas! J'ai la jurisprudence pour moi, tu es foutu! Foutu! Confronte ta mort. Madre Duncia. Non mais bon, dorénavant, tu es Al. Tu es marié et t'as deux enfants. Bien chiant. Maintenant, on va voir les vieux de la vieille qui connaissent ça. Maintenant que le roi mercenaire est mort, pour de bon, vous l'espérez. Vous prenez soin de Sébastien. Valquelin se rue vers le prêtre alors que les survivants embarquent sur les navires marchands. Non. Mon fils, l'heure est venue. Non? Non, pitié, nous pouvons réparer tout ça. Si c'est faire arracher la gorge, c'est quand même Il compliqué. faut apprendre à laisser partir les gens, Ou Al ou ils te retiendront. 9000. Alors Al Laisse-moi 9000. partir. Code Quantum, non, je crois qu'il s'appelle Al, le mec. Mais Al 9000, je l'ai pas. Il y a de la beauté en chaque chose, mais c'est encore plus vrai. À Ilian. C'est magnifique. Sébastien pousse un léger soupir, son dernier soupir. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Du mien, l'Odyssée de l'espace, de la SF chiante, putain. J'ai jamais vu 2001, l'Odyssée de l'espace. Emmène ces gens, protège-les et guide-les. Quand le moment sera venu, j'espère tous vous voir à Ilian. Valquelin est perdu dans ses pensées, mais en observant les bateaux remplis de gens, il se prépare. Leur vie dépend de lui désormais, tout comme sa vie dépendait de Sébastien. Il monte à bord du dernier bateau en partance et observe la dépouille de Sébastien, alors que le bateau s'éloigne. Puis une lumière émerge du sol, et une autre des murs de pierre, puis une autre des égouts, puis une autre, et encore une autre. Elles se fondent toutes dans la dépouille de Sébastien! Il se réveille, on a le temps. Valquelin. Tout va bien. Il est sain et sauf. Et vous aussi, je crois. Il a fait de la nécromancie, le prêtre, là! Vous l'aidez à se relever, bien qu'il ne semble pas avoir besoin d'aide. Ça va? T'as des âmes ou de la lumière qui est apparue en toi, quoi, mec! Ce pouvoir, je n'avais jamais rien ressenti de tel. Ah bah tu m'étonnes! T'as siphonné je sais pas combien d'âmes, ça se trouve! Vous avez combattu la blessure. Mais vous avez fini par succomber. Oui, on a bien vu Tout ça. était noir. Pas de quatre paradis. Pas de guide. Pas de main du destin. Juste le néant. Ah ouais, c'est le principe de Puis, la mort. la voix d'un ancêtre. Puis une autre. Tous tentaient de me renvoyer vers la vie. Je les sentais entrer en moi. Nous avons tout vu. La lumière de leurs âmes est entrée en vous. T'es un nécromancien, mec. Un corbeau blanc. Un nécromancien vivant et paisible. Ceux qui étaient là avant se sacrifient pour redonner la vie à un être qu'ils jugent digne. Même le nécromancien est en mode putain, t'es un nécromancien! Même nous, on n'y arrive pas, nous, on est obligés de forcer les âmes pour les aspirer. Toi, elles viennent se sacrifier! Nous avons tué le roi mercenaire. J'ai dit au revoir à Valquelin. Vous lui avez dit de voguer vers Ilian.
J'ai senti son regard sur moi, puis plus rien. Les survivants sont partis sous la supervision de Wacklin. On a réussi. Vous pouvez marcher ? Sébastien regarde autour de... Enfin, Sébastien regarde autour de lui. Les pierres et les chemins bâtis par ses ancêtres. On peut lire la fierté sur son visage. Tout à fait. La personne qui porte l'anneau est le véritable dirigeant de elle. Je pense que je l'ai porté suffisamment longtemps. Et il vous tend l'anneau qu'il avait déjà dit, tenez à Valkelin. Grâce à lui, vous pourriez être la reine de elle. Ouais, je suis... Sébastien, c'est un honneur, mais vos ancêtres ont parlé. Un seul être est digne de ce titre, et c'est vous. Voilà, en plus, moi j'ai déjà Iliane. Vous prenez l'anneau et rattachez à son collier. Et si petit, il appartenait sûrement à sa mère. Longue vie. Donc c'est un des choix, hein. Je suppose que t'avais un autre choix si tu faisais un autre truc, et donc... J'ai moins 15 avec les Morbihans, parce que j'ai fait la quête de mon perso, quoi. Ok, merci. Fais la quête de ton perso, tu verras, on va te pourrir ta réputation auprès d'une autre faction. Merci, sympa. C'est une armure de terrain que j'ai aussi, donc je me demande si j'en ai pas eu chopé une meilleure, là. Enfin, je regarde un de ces quatre, mes stuff. Faut que je prenne des stuff qui augmentent ma puissance. Je sens la puissance déferler en moi. Et pas je sens l'impuissance déferler en moi, c'est pas tout à fait le même délire. Du coup, il me restait quoi comme quête à faire dans cette zone? Les banshees. Les banshees. Allez, gros sous-entendu salace que je fais. Or qu'il n'y en a pas besoin d'en faire ça, quoi. C'est... Et je le fais quand même. C'est cadeau, c'est gratuit. Mais attends, du coup, j'ai une question. Sébastien! Fait sa dernière quête ultime, est-ce qu'il a une nouvelle capacité ou flamme divine de la justice? S'y mange. Faut s'y mange pour que ça se recharge. Invoque un orage de lumière brûlante qui inflige des dégâts divins et primitifs aux ennemis, inflige brûlure et paralysie aux cibles sans ma grosse puissance. Le mec qui s'emporte. Oui, le chat. Et que je m'emportais, donc tu viens me calmer, c'est ça? Non, tu te casses, c'est ok. Vous modifiez ma disposition, en fait. Prêt. Here we go! Here we go! Est-ce que je peux amener mon vampire par ici? Si je l'amène là, j'ai ces deux-là, j'ai celui-là, passe, et j'ai celui-là. Ok. Ah, j'ai à peu près autant. Ça change pas grand-chose que je sois là ou à côté. Tu sembles délicieux. Voilà. Ancien dieu, éveillez-vous. Non, mais tu peux laisser les anciens dieux dormir, hein. Sans porte, ça fait beaucoup, prends-en moins. Ça dépend de la porte, et puis c'est toujours pratique, hein. Je prends quelques portes de placard, quelques portes de maison, quelques portes de voiture, quelques portes. Abandonne.
Oh, je vais avoir du plaisir. Voilà, le but c'était d'affaiblir par là-haut. Affronte-moi. Parfait. Marchez. Alors là, c'est parce que vous jouez à 1, 2, 3 soleil et qu'il a dit marchez pour dire que t'étais niqué. Je suis sa fureur. Putain, le seul que j'ai provoqué, c'est celui qui va clamser. Je suis deg. Sérieux, t'as manqué? Mais t'es nul! Oui, chose pitoyable, tout à fait raison! C'est une chose pitoyable, ce démon! Ouais, mais vas-y, crève-le-moi, ce démon! Démon de mon fondement. Ah, j'en aurais au moins tué deux ce tour-ci. Handicapés, ils savent pas viser. À croire qu'ils sont comme moi dans les FPS. Corisidiomancia. Ancien dieu, guidez-moi. Oh oui, oh, allez-y, paquez-vous là, ça va m'aller. Oh regarde, vous vous paquez, vous me faites un petit cercle comme ça là. Avec ruse. Et c'est parfait. Non, t'as pas compris le principe du cercle, hein. Oh bah vas-y. Lance tes soins sur cela, j'en ai rien à foutre. Je suis éternel. Pas vraiment, mais. Ah, Madre Dunsia. Comment dire? J'ai un dragon en mauvais état. J'aimerais un dragon en meilleur état, s'il vous plaît. Est-ce que c'est possible? Tu es à moi. Mère de mana, nourris-toi d'eux. Corisidium Mancia. Ah mais là j'ai ma pulsation. Ancien dieu. Ah les capacités passives de merde. Ouais, vas-y, vas-y, avec ta capacité passive, tu... Ressentez la peur. J'aime bien celui-ci. La gloire sera mienne. Allez, au combat. Elle fait des dégâts, elle soigne tout le monde, voilà. Sont faits pour être traités. Madre Dunsia. Non, mais non, je cherche pas. Pourrais-tu juste mourir? Voilà, ça c'est une très bonne question, Ujama. Je suis éternel. Non, t'es pas éternel. Tu vas crever. Tu vas crever comme une grosse merde. Vas-y, l'aveugle.
Faut dire que je viens de comprendre pourquoi je suis aveugle. Tous mes gars sont aveugles. Voilà, une de moins déjà. Donne-moi. Heureusement que j'ai mon indépendance d'air, vu que mon équipe est aveugle. Voilà, on n'aime pas faire dans la demi-mesure, hein, par ici. Il vous brûlera. Le Très-Haut est arrivé. Nevendar aura sa vengeance. Voilà, un peu de soin. Il reste 3 unités adverses. Ça devrait le faire. Mère de mana, nourris-toi d'eux. Non, arrêtez de taper le dragon. Il est gentil, il vous a rien fait. Il fait juste un grou-grou. Bon, techniquement, ça va être le... Ouais, tu t'es pris de la surcharge, hein, ça. Mais arrête de taper le dragon! De toute façon, je peux le soigner, je m'en fous. Je vais le soigner. Approche, mon enfant. Bon, bah toi, tu pourras pas ta... Non! Puis tous vous crever. Je vais tous vous crever, bande de merde. Vous avez tué mon dragon. Je suis éternel. Sérieux, il y avait beaucoup plus dangereux qu'un putain de lézard géant, quoi. Mon lézard géant qui avait des ailes et qui faisait grou-grou, il n'était pas dangereux. J'ai Avi qui est vachement plus dangereux. Alors pourquoi vous agressez le pauvre petit lézard? Hein? Putain, vous avez du bol que j'ai pas mon ulti. Je suis éternel. Réponse, il n'y a pas de lézard. Bah non, ils l'ont fait disparaître, hein, t'as raison Lucas. Il n'y a pas de lézard pour eux, il n'y en a plus. Non mais en plus c'est super galère à avoir un dragon quoi, il faut être exalté avec une faction. C'est-à-dire qu'il faut réussir à faire suffisamment de la lèche à une faction pour qu'il soit en mode ouais vas-y on t'autorise à avoir un dragon. C'est long, j'ai pas réussi à faire suffisamment de lèche moi. Le flux de ma rage. Chose pathétique. Pathétique. Voilà, crève. Voilà, en plus je gagne plus 5 en commandement. Wouhou. Mais j'ai perdu un dragon. C'est pas rentable. Hein. Plus 5 de commandement pour un dragon. D'habitude, c'est le chant de la Banshee qui trahit sa présence, mais cette fois, c'est le grincement de ses dents que vous entendez en premier. Répète-toi de cette viande sacrée avec moi, leurs mensonges les plus hideux croquent sous la dent. Laisse ses corps rejoindre ta sœur, elle fait le siège du temple de la rivière. Excepte que parce que tu es l'allié de l'enclave des Banshees, mais je reviendrai pour terminer mon repas. Ah putain, en plus j'ai une créature à 40 quoi qui est mort. Attendez, la galère quoi. Vas-y, il y a un dragon là. C'est de la merde ce que tu me proposes. Nul. C'est nul.
J'ai perdu un dragon, je peux même pas en recruter un. C'est honteux. Ouais, bah j'ai de la merde à sacrifier à la place. Hein. Bon, j'ai besoin de trucs de soins. Hop. Un vampire, c'est une créature de rang 4? C'est pourtant pas si ouf que ça, quoi, comme, comme truc. Oh, tu ne mets plus le dragon? Bah non, je l'ai pas, le dragon! T'as pas suivi, il est mort! Ils m'ont buté, ces enfoirés! Oui, j'ai vu. Oui. Ah, tu vas voir ton équipement qui va disparaître pour dimanche. Oui, je suis sadique. Oui, je vais manger comme ça. Oui, c'est petit, bas et mesquin. Non, oh, mais c'est chiant, quoi. En fait, j'ai pas compris. Ils ont focus le dragon en mode... Ouais, le dragon, c'est dangereux. Mais mec, j'ai 10 fois plus dangereux dans toute mon équipe. Limite, le dragon, c'est... C'est de la merde en boîte dans mon équipe. Sintara, nous avons trouvé. Nous avons trouvé tes sœurs. Alors ces murs vont bientôt tomber. Elle ferme les yeux et pousse un cri si aigu que vous ne l'entendez pas. La brume qui vous entoure se met à vibrer à mesure que les banshees se retrouvent. Elles s'élèvent telles des spectres devant la lumière blanche de la barrière de Soloniel. Oui, à présent chantez, mes chéris. Puissent nos voix venir à bout de ces murs. Sans plus attendre, vous guidez votre groupe le plus loin possible et vous leur indiquez de se boucher les oreilles avec de la terre. À l'autre bout du champ, vous percevez les fidèles prisonniers de la barrière. Un sang nécrotique leur jaillit des oreilles, des yeux et des narines. Bientôt, les premiers crânes explosent dans une gerbe écarlate. Le champ s'est tu. Le temple et ceux qui ont refermé sont à vous. Elles nous disent d'approcher, j'imagine que c'est ce que nous trouverons là-dedans. J'imagine que ce que nous trouverons là-dedans est à nous. Bien, et dis aux Banshees qu'elles nous sont redevables. Non mais sérieux, en plus c'est de la merde quoi, je te trouve. Ah bah voilà, au moins un truc bien, j'ai au moins un sort. Éclaireur d'Orion. Un des éclaireurs d'Orion fonce sur vous, paniqué. Monsieur, c'est Arietis, votre père. On n'a pas pu l'arrêter. Il... Du calme. Dis-nous ce qui s'est passé. Il a entendu dire qu'il y avait peut-être des survivants dans les fermes de Hale. Et il est parti comme une furie. Dis-moi qu'il avait des renforts. Personne, Libératrice. Nous étions occupés à escorter les civils jusqu'à Hale. Je l'aime bien, mais il passe tellement de temps à aider les autres qu'il ne prend jamais le temps de réfléchir. Ah ouais, comme son fils. Dis-moi exactement ce que tu as entendu et qui te l'a dit. Personne ne sait. D'après le rapport, des habitants des bas-fonds étaient retenus à la ferme de Death. Tu aurais sûrement pu le retenir. Avec tout le respect que je vous dois. L'avez-vous vu? On ne peut rien lui dire. On n'a jamais pu. Avi, nous devons aller lui parler. Tu m'étonnes, mais je pense que c'est trop tard. Nous devons lui... Allons-y. Honnêtement, je parie sur un « c'est trop tard ». Ah non, la ferme de Death, ça a été par là. Papa, tiens bon, on arrive. Orion fonce sur le haut sans se soucier de lui-même. Ori, arrête. Ouais, ça va le combat et il a pas l'air trop difficile. Par contre, j'avais une saloperie qui me suivait, merde. Putain, mais et ça fait tâche sur le dragon, quoi. Ressentez la peur. Alors là, par contre, c'est goldé. Hein, ce que vous m'offrez pour qu'elle foute du sang à tout le monde. Tu sembles délicieux. Meurs. Ah, vous avez pas compris, hein. Vous avez plusieurs à crever. Voilà. Ça c'est fait.
Ah, par contre, ils vont me faire sûrement la même strat. Hein. Voilà, allez, hop, vengeance sanglante. Et ils font la même. Laisse-moi te boire. Alors ça, c'était pas très utile. T'aurais dû faire au moins un pas. En plus, tu vois, tu venais là, t'avais les deux. Hein. J'ai soif pour ton sang. Ah oui, c'est la ligne de front. T'es en train de me dire, comment ça se fait que... Ah mais oui, c'est la ligne de front. Allez hop, deux nouveaux alliés. Allez, au combat. Ça devrait suffire pour soigner un peu ma magicienne. Allez hop, ça c'est blessé. Ah ouais. Ouais, super, je peux défoncer mes alliés. Ouais, non, c'est pas le meilleur move. Elle est nommée celle-là, non, c'est une vengeresse classique. Tout serve Bethrezen. Je suis sa colère impie. Non mais il est nul le démon. Je veux bien qu'il soit pas au niveau par rapport au reste de l'équipe, mais là quand même il fait tâche en termes de dégâts. C'est un démon quoi, c'est censé avoir de la prestance, c'est censé mettre des patates de forain. Là on dirait qu'il caresse l'ennemi. Bon bah ils m'ont défoncé la Banshee. Après il n'y avait pas beaucoup de mérite mais bon. Ah putain c'est les dégâts de zone qui fait l'enfoiré. Je fais un avec tout. Endurez ces épreuves. Ah merde, je suis un de mes troupes. Ah bah non, je le soigne. Pourquoi ils m'ont mis le symbole de mort? Voilà. Donc eux, bon, ils vont rien faire de bien. Oublie. Ah, aveuglement, ça c'est chiant là, le côté aveuglement. Mais bon, c'est pas très chiant. Disons que m'empêcher de lancer mon sort, la capacité la plus puissante qu'elle a, je m'en fous, je l'ai déjà fait. Allez-y, privez-moi de ça. J'aime bien celui-ci. Tu sembles délicieux. Ah, si au moins il pouvait tuer la vampire, ça serait parfait. Ok, Artokat, tu es privé de dessert. Mais pourquoi? J'ai rien fait, c'est pas moi, chef. Ah, je te promets, c'est pas moi qui ai tué le dragon, c'est eux, ils ont tout fait pour le tuer, quoi. Ils sont acharnés tueurs que j'avais habillé juste à côté en mode « Coucou, tu peux me shooter !» Et l'autre, le dernier, il a fait « Non, je vais shooter le lézard !» Le pire, c'est que c'est vrai qu'il était juste à côté d'Avi, il aurait pu défoncer Avi. Il a préféré se déplacer pour pouvoir taper le lézard. C'est honteux. J'exige que tu combattes. Tu me serviras le temps venu. Les os sont faits pour être écrasés. J'ai une petite morsure. Il va te falloir plus qu'une petite morsure si tu veux regagner assez de vie pour pas crever. Dedans. Le froid nous avantage.
Oh merde, alerte générale, alerte générale! Je ne sais pas pourquoi, mais alerte générale, alerte générale! Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi une alerte générale? Parce que je suis privé de dessert? Non mais cherche pas, je vais siphonner les placards d'Alberic sans qu'ils s'en rendent compte. S'il y a que ça, t'inquiète pas pour si peu. C'est aujourd'hui que sort la suite de Monkey Island. Ils font une suite encore depuis le temps. Waouh. En vrai, j'ai fait que le 1, il faudrait que je fasse le 2 et je crois que j'ai le 3 aussi. Je crois que je les ai tous sur mon compte Steam, il faudrait que je vérifie, mais ça pourrait être sympa à faire. Welcome to Monkey Island. Franchement, ça peut être sympa. Bon bah je peux pas, autant le faire péter du coup. Ça m'arrange pas, mais bon, tant pis. Quitter ces terres. Après, je fasse mon KSM 2, enfin il y a plein de jeux qu'il faut que je fasse. J'ai envie de dire, un de plus, un de moins. Ça fera pas beaucoup de différence. Elle essuie tout. Elle est ok. Le sopalin qui gagne à tous les coups. Enfin, l'essuie tout qui gagne à tous les coups. Oh putain. Enfin, peut-être que je dors, 24. Ça vous éviterait ces blagues de merde. Je vais m'amuser avec Allez toi. Tu peux la tuer. Tu recommences les yeux ouverts. Laisse-moi te non. voir. Non, non, bah non, les yeux ouverts, c'est trop compliqué. La gloire sera mienne. Allez, toi t'as les yeux ouverts pour tirer. Rassure-moi. Ah bah ouais. Ah ouais, tu les avais bien ouverts toi. T'as repéré le point faible. Vous foncez à travers les hordes. Orion se déplace comme une rafale meurtrière. Étrangement, les essayés n'attaquent pas le père d'Orion. Il le protège. Hein? Orion atteint Eretis juste avant qu'il s'effondre. Il saisit son père et le serre dans ses bras. Doucement, tout va bien. Tu vas bien. Eh bien, c'est un point de vue. Ouais. Eretis grimace alors qu'Orion l'aide à s'allonger. Pour la première fois, vous voyez toutes les blessures que le pauvre homme a subies. La terre autour de lui est tachée de rouge. C'est grave, fiston. Ouais, un peu. Les guérisseurs, vite. Vous penchez et vous voyez la plaie. Voilà qui explique pourquoi les éveillés ne s'en prenaient pas à toi. La plaie est déjà maudite. Elle a fait son œuvre. Papa, je t'aime. Pour tout ce que tu as fait. Et je t'aime aussi. Même en votre absence, je me rappelais de vous deux. Enfants, en train de faire les fous. Et j'étais si fier. Vous vous souvenez quand Ori et moi on jouait dans la forge de mon père ? On va le faire parler jusqu'à ce qu'il crève ! Et vous avez bien failli mettre le feu à toute la ville, tous les deux. Arrêtez, grimace dans la douleur à chaque fois qu'il rit. Menti pour nous couvrir. Tu as dit que c'était toi. Je pense qu'on ne t'a jamais remercié pour ça, papa. Pas la peine, Ori. Pas la peine. Tu te souviens la fois où on avait volé les cisailles du fermier pour tondre ton chien? Comment il s'appelait déjà? Oh non. Ah, Sirius. Bon sang, je l'adorais. À une époque, mon seul but dans la vie était que ce chien soit fier de moi. Je ne me rappelle pas que tu aies été fier quand tu nous as pris en train de voler William le Sinistre. Pas devant vous. Mais quand vous êtes tous les deux allés au lit sans souper, on a tous bien ri. Que je suis un voleur né. Tu es surtout mon fils, Ori.
Et je suis fier de toi. Est-ce que tu veux quelque chose avant? Tu sais... J'ai l'avenir de Nevendar devant moi. C'est plus que suffisant. La mort? Nous n'avons plus beaucoup de temps. Eretis peine à retirer l'amulette qu'il a autour du cou. Il grimace alors que ses mouvements ouvrent davantage ses plaies et verse son sang maudit sur les terres qu'il protégeait jadis. C'est pour toi. Tu es l'avenir, Orion. Toi et tes sœurs. Tes amis. Guide les bas-fonds. Guide Nevendar. Il se tourne vers vous. Ma tête. Coupe-la. Je ne veux pas revenir. Papa. Je t'en prie. Je ne veux pas être l'un d'eux. C'est logique. Je vais t'envoyer aux quatre paradis. Tu leur feras honneur. Vous saluez Orion et son père, dégainez Riff et levez votre lame. Orion ferme les yeux pour stopper ses larmes. Eretis se tourne vers les champs, observant une dernière fois les terres qu'il a protégées jusqu'à la mort. Riff s'abat. Tu devrais rentrer. On va lui offrir un enterrement en bonne et due forme. Je vais l'enterrer. Vous regardez Orion, il a l'air tellement plus vieux que quand vous aviez tous les deux entrepris ce périple ensemble. Vous demandez si vous avez autant changé que lui. Vous écartez, vous écoutez le bruit de la pelle, l'odeur de la terre humide flotte dans l'air. Le soleil se couche, puis il se lève à nouveau, mais sa chaleur ne vous apporte aucun réconfort. Quand Orion a fini, vous pansez ses plaies, elles tremblent, les vôtres aussi. Ok. Ok, donc j'ai fini la quête d'Orion, tout simplement. Un sort à apprendre, c'est vrai. C'est peut-être exagéré, merde. Quoi, j'ai appris un sort. Ah, j'ai appris un sort de niveau 4, ok. Attendez, on me la fait pas, moi. J'ai bien de la merde à refourguer pour essayer d'avoir ça. Est-ce que ça me ramène du bleu? Non, ça m'en même pas de bleu, je viens d'en dessoudre plusieurs et ça a pas bougé de bleu. Ça m'en même pas de bleu. Ça m'en même pas de bleu, ok. Mais peut-être que... Oui ? Oui ? Oui, je suis fou ! Guérison massive, terre sacrée. Mouah ! La magie divine coule en moi et je vais l'appliquer à grands coups de mandale. Ah, par contre, j'ai pas le droit à la résurrection. Ça m'aurait été pratique pour mon dragon. Alors. Non, parce que. Ils m'ont parlé de quête, donc il faudrait que je les level up, tout cela en vrai. Rencontrer les compagnons. Orion. Et Abby. Regardons la carte. En route pour l'aventure. Le nid de la reine ou Barak Nor? Alors, Barak Nor, c'est elfe versus démon. Le nid de la reine, c'est démon versus mort-vivant. Je suis super bien vu avec les démons. Alors, c'est pas la magie divine, mais la magie divin. Ils sont plantés de la typo de l'étiquette. possible, je ne sais pas. Et je regarde discrètement qui est dans le chat pendant ce temps-là. Bienvenue à ceux que je ne connais pas et qui regardent. Vous inquiétez pas, je suis un peu fou, mais je suis gentil. Enfin, ce qui paraît. Et du coup, elfe démon ou mort-vivant démon. J'ai vu pas mal les morts-vivants ces derniers temps. On va aller voir les démons elfes. Ta 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 ta. On va massacrer.
En vous approchant des forges de Baraknor, vous avez l'impression d'être chez vous d'une certaine façon. Vous, enfant, votre père travaillant dur dans son atelier, fabriquant lentement des couteaux pour la brigade clandestine. La suie tombant doucement comme de la neige noire alors que de petites marmites de fer bouillonnent sur le foyer. Votre père criant alors que la main sacrée du voile vous arrache de ses bras, votre puissant jaillissant de ses doux. De vos doigts en lourd le perle noir. Oh, je... Ouais, je me souvenais juste la première fois que j'ai tué les gars de la, du voile. Tu as un petit quelque chose sur la joue. Vous essuyez une larme solitaire et la trace qu'elle a laissée. Allez, on est parti. J'ai pensé, pourquoi ne pas corser les choses en nous mettant dans une situation difficile dont on s'échapperait de justesse. Ça te dit? Eh bien, ce serait un honneur, très cher. De toute façon, t'as pas le choix, hein. Dans la clairière, vous tombez sur deux sentinelles, une légionnaire à pied et un membre bien armé, des patrouilles elfes. Les elfes et les démons sont dans une impasse. Est-ce que vous ne devriez pas être en train de, je ne sais pas, vous entretuer? Nos ordres étaient de protéger le royaume de la menace elfe. Notre visiteur est un elfe, mais pas vraiment une menace. Vous regardez les elfes de la garde noire. Ils sont plutôt menaçants, même s'ils ont l'air de s'ennuyer un peu. Nos ordres s'opposaient. J'ai envisagé de tuer Rankda et de mourir probablement par la même occasion. Mais dans un monde aussi déterminé à tuer ses habitants, nous n'avons pas éprouvé le besoin de hâter l'inévitable. Ah bah voilà! Pour une fois, ils sont tranquilles. Nevendar serait plus riche si votre non-violence était plus répandue. Un peu de patience! Si nous attendons assez, nos armées s'entretueront et il ne restera plus que nous! En parlant de mourir, je te préviens que nos armées se livrent bataille un peu plus loin. À ce propos... On nous a raconté des histoires horribles sur la plus grande forge démoniaque que Nevendar ait jamais connue. Mais nous n'avons pas entendu dire ce qu'on y forgeait. Un corps pour Bedrezen. Une arme. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse d'autre avec une forge? Mais je te donne pas. Des souliers. Nous ne comptons pas l'utiliser ici, mais dans le quatrième paradis. L'arme doit servir à tuer Bedrezen lui-même. Ah. Ah ouais, classique. Les mecs, ils veulent tuer leur dieu. Tuer votre dieu? Mon classique. Est certain que c'est un mensonge. D'où notre venue. Je veux savoir ce que les elfes sont vraiment en train de faire à Baraknor. Mon cœur est nombre 3 à 97. Je viens de prendre 25 ans dans les dents. Alors là, en me disant 97, moi j'avais 10 ans à ce moment-là. Hein? Pique aussi, hein? Empêcher la création d'une arme destructrice de monde, capable de mettre fin à toute vie dans Nevendar sur des terres appartenant à la dynastie Wyn. Ce sont des voleurs. Notre arme a besoin de mana, les elfes aussi. Nos races doivent donc s'affronter. T'en avais 12, ah oui. Tu as dit que la bataille entre les clans et la Légion avait atteint un point décisif. J'ai l'intention d'y participer. Oui, j'ai aussi dit que les elfes pillaient mon pays. Dis-moi, en sachant la vérité, nous construisons une arme. Winty vous interrompt, la supplication est désespérée et insincère. Nous sommes ici pour reconquérir les terres de notre dynastie. De quel côté combattras-tu? Bah, je combats pour moi-même. Comme vous deux, j'ai mes propres raisons d'être ici. Les tensionnés hochent la tête d'un air approbateur. Vos motivations égoïstes ont l'air de les inspirer. Bienvenue à Baraknor. Tu peux passer. J'ai l'impression qu'en fait les deux sentinelles étaient en mode bon bah on s'en fout les uns de les autres, on veut juste se foutre sur la gueule. Je peux passer sans que vous ah putain il m'interpelle. Voilà, tout de suite. Vous voyez une blonde, vous l'interpellez. Au sud, vous tombez sur une vaste armée de légionnaires prêts à fondre sur un camp de base elfe éloigné. Ces troupes sont commandées par une vieille connaissance. Enfant du fer. Nos chemins ne se sont pas croisés depuis votre invasion de la route de chair et de flammes. J'ai vogué jusqu'au quatrième paradis où j'ai rejoint Bedrezen. Il a jugé ma mort valeureuse et me voici. Votre présence dans ce royaume est plus difficile à expliquer. Les rumeurs qui entourent la forge de Baraknor sont bien connues. Ce qui ne l'est pas, c'est ce qu'on y forge. Je suis ici pour le découvrir. Une fois de plus, vous tombez à pic. Bloc pointe du doigt à ses pieds une épaisse ligne de flèche marquant la limite
que les démons ne peuvent pas franchir. Ils ne peuvent pas tirer plus loin. Mais un pas de plus vous condamnerait à mort. Les elfes pensaient nous tenir en respect, mais nos ordres étaient clairs. Nous devions les retenir jusqu'à ce que nous soyons prêts. Nous sommes maintenant prêts. Tel un nuage sombre, une armée de légionnaires d'une ampleur démesurée s'avance sur la colline et les falaises de Barak-Nor. Vous, les elfes, êtes encerclés et dépassés en nombre. Beaucoup de nos guerriers vous aiment, enfants du fer. Faites-nous l'honneur de combattre à nos côtés. Vous hésitez un instant, certes, vous êtes alliés, mais dans cette guerre, les alliances changent vite. En vrai, je suis obligé de limite de combattre du côté des démons parce que. Bah. C'est la seule faction avec qui je m'entends suffisamment bien pour espérer avoir un dragon. Après, j'aime pas les démons. J'aime pas les démons dans son univers. Je les trouve cons. Ilian, vite. J'ai encore une chance avec les démons alors qu'avec les elfes, j'aurais pas plus de chance. Ah, j'aime pas cette saloperie. Ok, il y a de la foudre en prime. Yes, magnifique. Ressentez la peur. Alors là, c'est goldé hein, pour infliger plein de dégâts d'un coup. Je vais m'amuser avec toi. Est-ce que ta chair brûle? Ah bah je sais pas, mais vous, vous avez pris cher. Voilà. Apprécie la douleur. La pulsation qui va peut-être me le tuer. Non, yes. Parfait. Sens le flux de ma rage. J'exige que tu combattes. Avec un peu de chance, les deux seront aveugles. Bah lui, il est plus qu'aveugle là maintenant. Allez, au combat. Je m'en fous, pour l'instant là, vous perdez du temps sur... Zone de mes saloperies, donc ça me va. La bonne chérie a attaqué les tirs. J'y suis gagnant, c'est cool. Ah merde, je suis con. Brûle dans mes flammes. Bon bah du coup il va devoir faire le maximum de dommages juste pour pouvoir essayer de rendre sa mort utile. Allez Indépendance Day, fais ton office. Parfait, continue Indépendance Day. Décevant. Je suis sa fureur. Parfait. Légionnaire, avancez. Oh oui, bah parfait. Tu me forces le mec à être comment dire? Son œil montrait le chemin. À t'attaquer et en plus tu te rapproches pour qu'il puisse te mettre un maximum de mandales. Parfait. On peut le shooter, non. Il est mort, bah. On va le calmer aussi, lui, là-haut. Par God Mortalis. Ah lui, il fait mal, hein. Lumière du cosmos, remplissez-moi.
lumière du cosmos. C'est un chevalier du zodiaque. Il maîtrise le cosmos. Oh bah oui! Va te mettre sous une foudre! Fais la même bêtise que moi! Merci! Ah bah là, le chevalier, il est mort, hein. Ah, merci, merci, merci de te mettre sous la foudre. Ah, lui, il est mort de chez mort, hein. Non! C'est pas du jeu! Moi, j'ai pas le temps de les soigner. Ah, parfait, il va me l'achever. Merci. Combat pour ton honneur. Oh, tu sais, l'honneur, c'est surfait. Hein. Oh. Ils se sont tellement paqués, c'est trop bien. C'est trop beau. Ils se sont tellement paqués que ça en était trop beau. J'aime bien celui-ci. Ah bah ouais, mais tu vas crever, hein. Je suis sa colère impie. Oui, bah t'es sa colère impie, mais t'es sa colère qui décède. Décède à base de décédance? Non, même pas. Coucou toi. Allez, au combat. Ah, mais ma surcharge, elle l'a manqué. Par contre, la foudre, elle va pas te manquer ta figure. Oui. La victoire ou la mort. Putain, j'ai confondu avec un autre. Quel problème. Ah, ça c'est fait. On se souviendra de toi. Olé mon chat, olé. Attends. Vas-y. Je te tiens. Oh oui, tu peux t'appuyer sur le bras, papa. Olé, olé, c'est bon. Oui. Marchez en paix. Il vous brûlera. Le froid nous avantage. Nevendar aura sa vengeance. Oui. Lumière du cosmos, remplissez-moi. Par God Mortalis. Mais pourquoi est-ce qu'il vient me... Là, bah oui, provoquer. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'il vient se coller à moi, ce couillon? Mais oui, en fait. Je vais pas vraiment laisser le choix. Je pars pour la bataille. Ah, ça va, elle a pas trop pris cher. Confronte ta mort. Voilà. Voilà. Le jeu est la suite directe du 2, donc ça remonte à 1991. Paye tes 31 ans. Ah, je suis pas beaucoup mieux, hein. Ah, c'est, j'avais que elle à vaincre en plus. Pff, j'ai fait tellement de la bêtise. 1991, paye tes 31 ans, ouais. Je pense qu'on peut dire sans trop de risque de se tromper que les démons ne sont plus nos alliés. Il n'est plus temps d'obtenir des alliés pour Illyane. Les elfes accumulent du mana et les démons construisent des armes en secret. C'est la guerre.
Vous vous retenez pour faire face au bataillon de légionnaires, mais vous constatez qu'au train de mai, les elfes sont en train de leur infliger une défaite écrasante. Les elfes gagnent. La magie qu'ils utilisent. Nous avons vu les morts vivants s'en servir à la tombe de Watan. Mon peuple n'utiliserait jamais de mana corrompu. Mon œil. Les démons reculent et battent en retraite vers l'ouest. Du côté de la forge, les elfes les prennent en chasse. Où vont-ils ? À la forge, je pense. Si nous ne les poursuivons pas, nous allons les perdre à vie. En supposant qu'il n'est pas prévu de piège. Ce ne serait pas la première fois. Les actes d'abord, les regrets plus tard. Oh mais laissez-moi me promener quoi, je veux fouiller un peu. Attendez, j'ai eu de la réputation positive avec les démons. Et oui. Édité par Devolver, réalisé par l'auteur original chez Kraken, 23 balles. Bah, alors, si Monkey Island est réalisé par l'auteur original, c'est bon. Hein, parce que ça veut dire quand même qu'il sait ce qu'il a fait, il connaît son travail. Devolver est un très bon studio, mine de rien, il fait pas mal de petites pépites. Donc là-dessus, moi, je peux dire que, ouais, je comprends ton hésitation et que tu as décidé de claquer 23 balles, quoi. Enfin, c'est même pas une hésitation, tu les as claqués direct. Et je le comprends parfaitement. Est-ce qu'il y a des trucs qui sont chiants à recruter là-dedans? Non, mais c'est de la merde, en fait, tout ça, recruter. Ah, j'ai pas le droit de la prendre. Enfin, je peux la prendre, mais je pourrais pas l'utiliser. Écran de présentation. Il y a le thème. Le vrai. Décède. Recruter des unités. Putain, mais c'est vrai que j'ai plus un copec. J'ai pu un rond, il faut que je fasse avec ce que j'ai. Ce que je suis pauvre comme un clampin. Les démons flottent autour de vous, comme suspendus par un fil. Abattu. Je te connais. Tu es la chose insignifiante qui a mis tant de temps à s'ouvrir. L'un de tes ravisseurs, Bactal. Pour le meilleur ou pour le pire, Bactal ne semble ne même pas entendre ta question. Je n'ai pas le même souvenir que toi. Viens, montrons à tes petits amis ici présents comme tu cries joliment. Ça va, je peux combattre comme ça? Ah voilà, je nécessite qu'il soit dans la truc. Dégâts primitifs. On va faire des dégâts primitifs. Il a l'air con avec la caisse devant lui. Je suis sa fureur. Voilà ta gloire. Ouais, attends. Tu t'es amusé? Allez, pulsation pour tout le monde. Ha, shit. Je suis un peu en train de lui mettre une pétée à lui. Affronte-moi. Non, parce qu'il n'y a que lui qui est vraiment dangereux. Si je le bats, j'ai gagné, quoi. Chose pathétique. C'est un peu pathétique, ouais, en effet. Je pars pour la bataille. Et pendant ce temps-là, je m'amuse à vous montrer le meilleur truc du stream, mon chat. Car après tout, c'est bien connu que le chat est vachement plus intéressant que moi. Il n'y a aucune défense.
vais les écraser. Oui, 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 vas-y, vas-y. Oh, coucou toi. Oui. Invoquer oh, oui. Cauchemar. Brûle dans ma flamme. C'est marrant, c'est qu'en plus, lui est obligé d'aller taper Abby. Il n'a pas le droit de faire autre chose. Et les chats, vous avez le droit d'être l'un à côté de l'autre sans vous agresser verbalement ou physiquement. Bah non. Invoquer un cauchemar. Ça aurait été bien. On dirait que Michel serait ce cas-là. Non, mais vous allez pas me la crever celle-là! Liliane, j'y vais. Puisse votre sang être épais. Combat pour ton honneur. Non mais là, Indépendance Day, tu me l'achèves, hein, le... Aroros, là. Chose pitoyable. Voilà. Allez, victoire. Et un petit level en plus. Oh, putain, c'est... j'ai oublié de dépenser mes points. J'ai vu que j'avais des points de compétence, j'ai oublié de les dépenser. Je suis couillon de prophylactique. Sadique. Bagdal grogne et crache sur le corps d'Aroros. Aroros ne bat plus. Il n'a pas pu me briser. Voyons voir comment il s'en sort avec Betrezen. Avec beaucoup de satisfaction. Alors attendez. Alors, parce que là, hein, quand même. Vous êtes niveau 60, hein, je suis pas con. Non, pas totalement. Oh, putain. Ah ah. Ah ah. Vous pouvez aller prendre ma vie, s'il vous plaît. Au milieu du camp de la Légion Impie, vous apercevez une meute de panthères garous qui rôde. Elles réduisent les fortifications en menettes. Il n'y a rien de gracieux ni de réfléchi dans leur attaque. Elles se jettent simplement sur les barricades. Mélandrak, recule. Elles sont en rage. Le mana. Ils sont venus chasser trop près de l'étrange mana qui se trouve ici. Nous devons les maîtriser. En attendant, Mélandrak, un des animaux tourne la tête de votre côté. Je suppose qu'il fait des dégâts divins. Impie. Yes, super. Putain, mais je suis trop con, il m'en manque. Il manque des points. Ah mais lui il est mort, ce poulet de l'armée il est déjà mal en point. Ok. Ça devrait le faire. Ah, je suis notifié.
Super, ce soir je me plonge sur la relecture Les Mondes du Pacte pour Starfinder. Très bon choix. Je prends le temps de répondre, c'est pour du JDR. Du coup... Voilà, parce que c'est vachement plus intéressant, même si je me touche, parce que celle-là est presque morte. Juste pour le fait de presque tuer un de plus chez eux, c'est parfait. Je les ferai souffrir. J'exige que tu combattes. Voilà, encore un de moins. Non, il s'est soigné, saloperie. Aucun feu ne peut m'arrêter. Éclate. Ouais, mais voilà, tu vas te faire encore soigner. Méchante. Méchante panthère garou. Par contre, c'est original des panthères garou. Enfin, il y a aussi les loups-garous, mais ils sont un peu plus dégueulasses. Ah ouais, là, ils ont mis la totale sur Abby, hein. Combat pour ton honneur. Voilà, le but c'était de coller les brûlures à au moins l'autre. À côté. Bon. C'est joli, hein, mais c'est pas suffisant, quoi. Ah putain, mais je suis trop con. Il vous brûlera. Parfait. Encore, c'est parfait. Il n'avait pas joué celui-là tout à l'heure. Étonnant, ça me surprend. Allez, petit critique, yes! Nous sommes le dernier hiver. Il n'y a aucune défense. Je vais les écraser. Parfait. Normal. Donne ta vie à Galéan. Et
victoire ou la mort. De toute façon, il peut rien faire de plus, donc autant qu'il court. J'adore défoncer moi-même mes propres unités. Je trouve que le jeu est beaucoup trop simple, sinon. Il a filé rapidité à une porte terre garou qui s'est fait défoncer le tour d'après. Logique. J'aime bien l'animation de son sort dans Chevêtrement, en vrai. Je trouve ça bien, je trouve ça classe. C'est con, hein, le perso en lui-même ne m'intéresse pas, mais son sort est sympa. La pulsation va leur faire bien mal en théorie. Ça va même tuer les deux d'un coup, parfait. J'avais pas tilté que la pulsation allait tuer les deux. Je me disais ça allait tuer l'un et puis l'autre ça allait fortement l'affaiblir. Mais non, ça a tué les deux, c'est parfait. Vous maîtrisez les dernières des panthères Gaou. Elles grognent et cherchent à mordre, mais elles sont intimidées par votre force. Mais Andrake leur lance un sort et elles se calment. Soyez patientes, mes enfants. Laissez la folie vous quitter. Partez maintenant. Cachez-vous dans les bois jusqu'à ce que les ténèbres abandonnent votre esprit. Les panthères s'enfuient, obéissant immédiatement à l'ordre de Mélandrake. Alors que vous vous éloignez, vous remarquez que Mélandrake est à la traîne du groupe. Vous le trouvez à une courte distance de la piste, reniflant l'air. Quelque chose a attiré ton attention. Orion les rejoint, reniflant l'air au hasard. Il a moins de succès. C'est ce qu'on pensait. Des panthères. Elles sont toutes ici. Ce sont les miennes. Les enfants que j'ai abandonnés. Les fils que j'ai déçus. Tes fils? Je ne suis pas sûr de comprendre. M'dur et moi étions mariés. Les panthères étaient nos petits. Elles n'ont pas hérité de sa capacité à se métamorphoser. Mais ne te méprends pas. Les petits sont mes fils. Ce n'est pas juste une question d'odeur. Tu as l'air inquiet. Il y a un problème avec leur odeur. Je sens leur détresse, leur sang, leur rage. Je ne peux pas les décevoir à nouveau. Une odeur ne suffit pas. C'est déjà fait. Il y a trois meutes. Ah bah voilà. Elles toutes de façon imprévisible. Elles ne sont pas juste en colère. Elles chassent. Ne t'en fais pas, Mélan. Il le faut avant qu'elles ne se... Au moins, c'est plutôt clair, hein. Les trois meutes de panthères à chasser. Ah. Ah, une quête de plus, là. Des panthères par ici. Ah mais il y en a partout des quêtes, des trucs sur les quêtes en fait. Ah mais toi casse-toi. Hein. Putain. J'esquive un démon. Et comme le jeu n'était pas assez décalé, je vois pas l'autre monstre qui m'attendait sur le coin. Yes! J'adore! Et encore une fois, j'ai oublié de refaire full unité dans mon armée. Putain, je suis couillon de prophylactique. Putain, si je pouvais aller arriver là. J'ai mis un gros doute, hein, là, de pouvoir arriver là, mais bon. Tu es à moi. Voilà, je vais peut-être en tuer un là direct. Allez hop, à la pulsation, je le tue. Parfait. C'est les plus dangereux leurs assassins, donc les tuer aussi rapidement, ça m'arrange, je trouve. Confrontez-les. Et pourquoi est-ce que... Rapide et invisible. Ça va faire mal. Allez, regardez comment ils font mal. Les os sont faits pour être...
énorme. En plus, ça me rapporte une Banshee, c'est parfait. Sans le flux de ma rage. J'exige que tu combattes. Parfait. Ça affaiblit en même temps une douleur tireuse. Parfait, ça affaiblit l'autre. C'est parfait. Mais leurs deux tireuses sont aveugles. Nous devrions se mettre à couvert. Vous devriez faire beaucoup de choses. Combat pour ton honneur. Voilà. Tant pis, on va... Pour les dégâts, hein. On n'est plus à ça près. On n'est plus à ça près. Tu es bien mort. On n'est que deux ce tour-ci. Je faiblis. Oublie. Guide mes pas. Glace dans la force. Marchez en paix. Il vous brûlera. Parfait. Je me déplace selon les saisons. Par le cœur glacé de Galéane. Ah là, là, mon healer, il va me soigner moi. Ah non. Ah oui, putain, j'avais oublié cette banshee à la con. Vous ne souillerez plus ces terres. Parfait. Il n'y avait pas assez pour qu'elle touche derrière l'autre. La terre. Donne ta vie à Galéane. Bon bah là, il me fait la ligne, hein. Si j'ai pu faire la ligne, il me fait la même. Je fais un. Avec tout. Ok, elle se soigne, normal. L'autre va aussi soigner, je pense, mais qui? Je ne sais pas. Bon, je vais aller me préparer pour la reprise du taf. Moi, bonne fin de live. Merci Albéric d'être passé et bonne reprise. Voilà, avec la pulsation, je tue peut-être celui-là. Ah, il faut de le tuer, je le fais saigner. Rapidement, avant qu'il puisse réagir. Putain, c'est vrai que j'ai oublié ce détail-là. Là. Chose pathétique. C'est vrai que j'oubliais que ben il devait me bourrer à vie et qu'elle a quand même pris déjà pas mal cher. Oh putain. À vie, elle va crever. Soyons prudents. Chose pitoyable. Allez, l'indépendance d'aide, tu peux peut-être faire le taf et m'en tuer une paire pour l'empêcher de crever ce tour-ci. J'ai la Banshee qui peut lancer un sort de soin, ça peut vachement aider. Arbre, soyez ma force. Je mangerai ton sort. Vent, soyez ma force. Où se sont eux et montrer le chemin. Notre lumière divine est notre force. Comme l'hiver, les vents soufflent. Éclate.
C'est pas beaucoup, mais c'est toujours mieux que rien. Voilà. Ah bah oui, là c'est goldé, elle en a 3. Même si elle fait pas beaucoup de dommages, il y en a 3, c'est goldé. Ah là t'en auras que 2, hein, maximum. C'est un peu moins bien. Ah là t'as le healer qui va... Ah, le healer qui l'a refoutu full life quand même, hein. Il l'a calmé. Le libérateur règne. Tu es à moi. Voilà, on l'a fait le combat. Il nous a pris un peu de temps. Il était un peu long parce que je suis un peu un couillon de ne pas avoir mis full l'unité. Mais bon. C'est bon. On a fait. Tout ça pour récupérer, pour voir une mine que je ne peux pas ramasser. Yes. Tiens. Du coup. Oh les mains, ils ont fait un résumé. Oh les malins, ils ont fait un résumé pour les deux premiers jeux sous forme d'un album photo avec à la fin la mention "Pensez à racheter du papier pour la suite de mes aventures." C'est vachement sympa. Honnêtement, c'est sympa. Il y en a beaucoup qui pensent pas à faire ça. À faire un petit résumé ou des trucs comme ça, tout con, qui permet de savoir ce qu'il en est. Oh Dieu, je fatigue. Un champ de bataille s'étend à perte de vue. Non, vous réalisez que ce n'est pas un champ de bataille. Un massacre. Que s'est-il passé ici? Ce sont des elfes. C'est là que nous étions pour rencontrer Lariel et Marfala. Bien que je ne vois aucun des sages parmi eux. Inutile de nous attarder. Nous devrions poursuivre notre chemin. Je suis d'accord. C'en est trop. Même pour moi. Accordez-moi un instant. Ormeriel ferme les yeux, se coupant du monde. Ses lèvres bougent, mais ses mots sont réservés aux morts. Ça arrête soudain. Elle est une statue. Une gardienne pour les âmes à ses pieds. Puis ses yeux s'ouvrent brusquement et son regard se tourne sur le côté. Ils sont ici. Alors que vos compagnons et vous adoptiez rapidement une posture de combat, vous voyez maintenant ce que la danseuse soleil a sorti. Une armée de silhouettes difformes approche à toute vitesse. Oh, il y a un mode difficile comme les jeux précédents. Plus d'énigmes. Je me souviens pas qu'il y avait ça. Bah, après, je l'ai pas. Je l'ai pas attaqué. Dites-nous ce que vous. Nous apportons des nouvelles. Ormeriel et Malandrax se jettent un regard. Alors, parle, démon. Les deux elfes, ils se sont regardés en mode. Pour ce que tu as fait ici. Le grand et imposant chef du groupe démoniaque compact reste de marbre face à la menace d'Ormeriel. Ouais, sûrement. Viens-en au fait. Le sacristain a une proposition pour l'elfe qui désire la paix. La paix avec des démons? Jamais. Je parle de la paix parmi les représentants de votre espèce. Elle est faible, elfe. Et à chaque mort, elle s'affaiblit davantage. Vous ne savez rien de tout ça. Je ne crois pas vos mensonges. Vous n'êtes pas obligé de croire. C'est un fait. Même la paix se brisera. Et quand ça arrivera, elle ne reviendra jamais. Non. Donc, le sacristain propose un accord. Il soutiendra votre revendication de sage en chef. Mais... Tu viens bien de dire sage en chef? Ormiel parcourt le champ de bataille du regard et voit les marques distinctes des elfes sauvages et nobles. C'est vous qui avez fait ça. Ces elfes étaient sur nos terres au mauvais moment. Et maintenant,
Nous ne sommes pas ici pour parler d'eux. Nous sommes ici pour vous présenter l'accord du sacristain. Pour votre revendication de sage en chef, le sacristain propose une union entre elfes et démons. Avec la chef elfe, toutes les autres hordes doivent mourir. Vous voyez le doigt d'Ormanel trembler. Elle se prépare à attaquer. Oh, mais là, c'est... Vous êtes venu à nous avec des mots au lieu d'armes. Pour ça, je vais vous donner une chance de partir. Je vous suggère de la saisir. Votre comparse a atteint son point de rupture. À moins que vous ne disiez quelque chose, vous savez qu'elle va commencer la danse, sa danse de la mort. Pourquoi le sacristain a-t-il besoin d'aide ? Oui, c'est ça. Une guerre ravage cette terre, impliquant tous ceux qui la foulent. Des démons affrontent des démons. Ouais, bah classique aussi d'un autre côté. Mais personne ne dirige. L'elfe est une chef. Ça vaut le coup d'écouter, Ormer. Vous avez tous les deux de l'imposant aurélique en reculant. Vous n'êtes pas scandalisé par tout ça, Avi ? Comme Orion et moi disons toujours, agissez plus tard, réfléchissez d'abord. C'est pas toujours l'inverse qu'on dit plutôt. Ah oui, bien sûr. En tant que sage en chef des elfes sauvages et nobles, vous pourriez garantir une paix permanente. Ils ne m'accepteront jamais. Vous êtes aussi doué avec les mots qu'avec votre lame. Nous les persuaderons. Mais être soutenu par des démons... Une elfe capable de manœuvrer au-delà de la violence intrinsèque aux démons et de les plier à sa volonté, c'est une elfe puissante, en effet. C'est une manière de voir les choses. Bien que je craigne que ce ne soit pas là celle des elfes. Avi, ça me fait mal de me dire que le démon dit peut-être la vérité. Ah ben non, mais c'est sûr, les elfes, ils sont sur le déclin. Hein. Depuis le début du jeu, tu le sais. On en soit arrivé là. Et pourtant, plus je cherche, plus la voie est claire. Donc, c'est décidé. Ormeriel, princesse de la dynastie Or, deviendra sage en chef des elfes. Ormeriel incline solennellement la tête. L'unification des elfes a sonné. Et les démons ? Comment suggérez-vous que nous procédions ? On accepte leur accord, pour l'instant. Je me fie à votre jugement, avis. Démons, nous avons un accord. C'est bien, c'est... Je me fie à votre jugement, avis. Démons ! Se penche vers vous, son souffle sulfureux remplissant l'air entre vous deux. Le mot égratigne dans votre esprit comme une démangeaison que vous ne pouvez pas soulager. À ces mots, les démons se retirent. Nous devons trouver là Ariel et Marfala. Elles ne peuvent pas être loin. Bah en vrai, si. Plus 10 avec les démons, j'ai pas fait attention si j'avais baissé avec les elfes. J'ai pas l'impression d'être baissé avec les elfes. C'est cool. Oh, une porte, j'avais pas vu. Ils en ont pas marre de mettre des groupes si puissants. De toute façon, je crois que je vais pas tarder à arrêter. Pas des bêtes garous, ouais. Ouais, je vais m'arrêter là. Faut que je me régénère. Je vais d'abord retrouver la... En vrai, ça sera... Tu as moins 10 avec l'alliance des elfes, d'accord. Je me disais bien que je pouvais pas avoir eu que des bonus. Ça aurait été trop beau. Après, de toute façon... Ouais, de toute façon, je sais pas du tout comment me prendre. C'est... En fait, à réussir à avoir une alliance max avec une faction, c'est ultra difficile, je trouve, dans le jeu. Ou sinon, il faut assez bien connaître pour savoir tes choix à faire et toujours aller dans le choix de la faction. Mais
Je sais pas, j'utilise toutes les factions de façon égale, donc du moment que je suis pas détesté par une faction, enfin que je reste neutre avec une faction, moi ça me dérange pas d'être bien ou pas avec une faction. Du coup, je vais m'arrêter là pour ce soir. Je vais regarder chez qui je peux vous envoyer. Demain, je sais pas si je vais pouvoir live, je suis en train de penser, attendez, je regarde directement, j'ai le Discord. Est-ce qu'il y a Drekker qui voudrait qu'on se reparle. On se parle demain à 20h. Tiens, j'ai quand même acté que j'ai lu. T'as un nom? Oui, pour le raid. Laisse-moi deviner, Bruinator? Au hasard? Donc voilà, demain, c'est pas sûr que je live. Ah non, même pas. Alrun Rua. Bon, on va regarder ça, hein. Ça va me changer des raids habituels. Mais voilà. Le jeu, ils annonçaient 80 heures de jeu. Hein, pour Disciple Libération sur Guild Wars 2. Bon, bah vas-y, hein. Et j'en suis à. Attendez, je vais vous dire ça. Alors, avant les lives d'aujourd'hui, j'en étais à 57 heures. Donc, ça devrait le faire. Alors, hop. Heureusement, j'ai ouvert la page sur le truc parce que j'avais déjà oublié comment ça s'écrivait. Sur ce, bah moi, je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit. Et je vous dis à une prochaine fois pour de nouvelles aventures.